Yo tout le monde, c'est Fun Lucky, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends. Oh, on a une info officielle qui vient de tomber sur le compte Twitter DB Legends avec un nouveau personnage ultra qui va faire son apparition 3 semaines avant le Legends Festival. Ouais, ça pique, ça fait mal. Donc, hier, quand on a eu cette info disant qu'il y allait avoir un nouveau perso ultra, bon bah moi je vous ai dit sur les réseaux, ça ne fait aucun doute pour moi, ça sera Majin Vegeta Ultra. Et c'est le cas, sauf que j'ai pas encore été spoil, je n'ai toujours pas regardé l'intro, la mise en scène de ce personnage, donc on va découvrir ça ensemble dans ces vidéos. S'il vous plaît, comme d'habitude, max de pouces bleus en mode Genkidama et n'hésitez pas à réagir si vous êtes satisfait du Majin Vegeta ou non. Personnellement, je sais pas à quoi m'attendre, on va découvrir ça ensemble. Et surtout, c'est les cristaux, ton chiffre, frérot, dans 3 semaines, les gens de festival, c'est compliqué, il n'y a même pas de pitié, tout ça, sur les ultras, bon, bref. En tout cas, je tiens juste à vous dire, il ne va pas y avoir de live ce soir, parce que j'ai la crève, clairement, j'ai le nez pris, j'ai mal à la tête, j'ai un peu mal à la gorge, je tousse un peu, j'éternue, etc. Donc, on va se reposer, et demain matin, vidéo Dr. Soso, oui, j'ai bien dit, vidéo sur YouTube Dr. Soso pour du Sparkling Zero, et ensuite, le soir, à 18h, il y a une queue, les frères, il y a beaucoup de patients. On va apprendre beaucoup de passion demain à 18h en live Dr. Soso, donc vous aurez la petite intro dès demain matin en vidéo, et ensuite 18h le live. Donc voilà, je me repose pour ce soir. Allez, bref, on est parti, let's go, on va regarder ça. Ok. Ok, oh. Vraiment sympa, hein. Ah, l'intro, elle est vraiment sympa. Stylé de ouf. Wesh. Non, l'intro, elle est incroyable. Hein. Majin. L'illustration, elle est incroyable. Franchement, l'artwork, les frères, il est incroyable. Ok. Oh là là, le sourire. Ok. Ok. Ouais. Oh, hey, l'artwork est incroyable. L'artwork est incroyable, les frères. Franchement, incroyable. L'artwork est masterclass. La mise en scène aussi. Ensuite, par contre, on va revenir sur 2-3 petites choses. Alors, la mise en scène, les gars, je sais pas pour vous, je pense qu'on est peut-être, je dis bien peut-être, sur l'une des meilleures mises en scène d'un ultra. Je trouve qu'elle est super bien réalisée, hein. Je sais pas pour vous, vous me direz dans l'espace commentaire, mais ça bouge bien, il y a le ki, les mains derrière, etc. On voit l'explosion de rage. Franchement, l'intro, elle est vraiment bien. Elle est vraiment, vraiment bien. Et l'artwork comme ça, avec le sourire sur le côté, c'est, voilà. Après, au niveau des mouvements, etc., in-game, c'est pas dégueu, mais c'est pas exceptionnel non plus. Voilà. Je trouve ça sympa, tu vois, bam, la petite esquive, il attrape Goku, il le jette, hop. Les postures de combat sont bien respectées en fonction de ce qu'on connaît de l'animé quand il se battait contre Goku Super Saiyan 2. Mais, bon, ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être mieux encore. Mais après, c'est pas dégueu, hein. Excusez-moi, je prends également mon mouchoir. Comme je vous l'ai dit, j'ai la crève. Non, franchement, c'est beau quand même. C'est très très beau, mais je pense que ça aurait pu être encore un poil au-dessus. La mise en scène, et là, l'artwork, les gars, l'artwork, il est magnifique. L'artwork est vraiment magnifique. Il est bien veineux, les ombrages, le gros biceps, les pectoraux, tout ça. Le sourire en coin, en mode, ah ouais, bien déterminé. Non, franchement, ça, on kiffe. Ça, on kiffe, les gars. C'est ça qu'on demande. C'est ce genre de choses qu'on demande. Bon, par contre, pas 3 semaines avant le Legend Festival, tu vois. Là, 3 semaines avant le Legend Festival, ça picote. Ça picote, chef Toshi. Ok, ah ouais, d'accord. Waouh, 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 waouh. Elle est pas mal aussi, celle-là. Elle est pas mal aussi, celle-là. Franchement, les gars, masterclass. J'aime beaucoup les veines, là, sur les épaules, sur biceps et tout. Non, franchement, c'est magnifique. Dites-le-moi dans l'espace commentaire, hein, si vous aussi, vous êtes d'accord avec moi au niveau de la mise en scène, au niveau de l'artwork, etc. Ou si tout simplement vous trouvez que la mise en scène n'est pas bonne, etc. Vous savez, les goûts et les couleurs, c'est subjectif. Ça sera d'ailleurs
l'un des points majeurs pour demain avec Dr Soso concernant Sparkling Zero. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Oui, parce que ça m'a dénigré, etc. pour du Sparkling Zero, un simple jeu vidéo. Vous verrez bien demain la vidéo, demain matin que je sortirai, et également ensuite, comme j'ai pu vous le dire, à 18h, le live Dr Soso pour soigner des gens. Ils en ont besoin. Donc voilà, donc ça c'était hier, du coup, hein, Coming Soon. On savait nouveau perso ultra à venir, un nouveau personnage sera annoncé demain, donc c'était aujourd'hui. Et là, du coup, ça a été chose faite. On s'attendait tous à Majin Vegeta Ultra. Mais il est bien réussi dans l'ensemble. Franchement, il est bien réussi. Hormis, je pense que voilà, au niveau des, comme j'ai pu vous le dire, des animations, ça aurait pu être un poil mieux. Mais ça, c'est pas mal, ça. Vous voyez là, le fait que il esquive le coup, là. Voilà. Hop, ici. Cette esquive. Tu vois, là, la posture est sympa. J'aime beaucoup, tu vois, il y a des efforts au niveau de la posture, etc., au niveau des esquives et tout. Et c'est ça qui est sympa. Là, c'est pareil. Hop, il fait son attaque. Les grosses veines sur le crâne. Non, franchement, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup les plans de caméra, tout ça. Non, franchement, vraiment, vraiment sympa. Vraiment sympa. Voilà, donc ça, c'est propre. Si je ne dis pas de bêtises, ça... vous voyez, c'est là où je vous dis, c'est super fidèle. Ça, cette attaque qu'il fait là. Voilà, ça, c'est quand il a Tej Gohan sur le Tenkaichi Budokai. Et je m'en souviens en VF, Eric Legrand qui disait « Il n'y a pas de place ici pour les débutants » ou quelque chose comme ça, tu vois. Et il avait Tej Gohan comme une chief molle, tu vois, parce qu'il voulait absolument son combat contre Goku. Donc c'est ça que je trouve vraiment très intéressant, c'est que c'est super fidèle à l'animé. Là, c'est pareil, ok. Ouais, ouais, sympa, sympa, sympa. Le sourire au moment de l'attaque, sympa aussi. Yikzo Kakaroto. Ok. Ok. Ok, ok. J'aime bien, je remate les gars. J'aime beaucoup, mais en fait, pour moi, voilà, j'ai trouvé ce qui manque. J'ai trouvé ce qui manque. Il manque juste une chose. C'est la colère de Majin Vegeta face à Goku. Pourquoi il s'est transformé en Majin? Pourquoi il a accepté d'avoir cet effet de contrôle venant de Babidi, même s'il n'a pas pu contrôler son esprit à 100%, il a accepté pour avoir un gain de puissance pour ensuite pouvoir vaincre Goku. Parce qu'en fait, il avait été humilié par Goku. Il ne s'était jamais remis de cette défaite. Et je trouve que c'est dommage de ne pas avoir une attaque en mode, tu vois, une ultime, en mode il se vénère parce qu'il a eu une humiliation et avoir ça dans le jeu DB Legends, où justement, il s'adresse à Goku disant « C'était moi, le prince des Saiyens, et toi, tu vas humilier !» Et là, après, bam, il arrive devant Goku, il fait son attaque, tu vois, ça aurait pu être sympa. Voilà, avoir cette attaque, ça aurait pu être vraiment sympa. Mais en soi, c'est quand même pas mal. En vrai de vrai, c'est quand même pas mal ce qu'ils ont fait, mais voilà, toujours un petit truc... à redire, quoi. Concernant, justement, également, DB Legends, donc mon compte DB Legends, le voici, les amis. Bon, c'est un peu la hausse. 2445 cristaux. Ouais, on n'a pas trop farm en ce moment, il y a Sparking Zero, on passe beaucoup plus de temps sur Sparking Zero. C'est un peu compliqué, mais bon, on va se mettre à farmer, vous inquiétez pas. On va essayer, voilà, de mettre un petit peu de CB, légèrement, en espérant que le Majin Vegeta, il sorte direct, enfin, qu'il arrive directement sur mon compte. Et après, on verra, parce que dans 3 semaines, il y a le Legend Festival. Donc voilà. Bref, les amis, comme d'habitude, max de pouces bleus, mon Genkidama, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour informer les gens autour de vous qu'il y a un Majin Vegeta Ultra qui débarque sur le jeu mobile Dragon Ball Legends 3 semaines avant le Legend Festival. Donc, si vous êtes free-to-play, il n'y a pas de pitié sur les Ultras. Faut peut-être commencer à vous dire, il va falloir faire des choix. Je garde 1000 cristaux pour le Legend Festival. Voilà, on verra bien. On va voir un petit peu également le kit de Majin Vegeta, ce que ça donne. Sur ce, les amis, prenez soin de vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est toujours pas fait. Et puis, activez la cloche pour recevoir les notifications. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane le Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous.